que la Commission n'a pas perdu de vue la nécessité de donner au Conseil communautaire de la concurrence. Organe régulateur de la concurrence en zone CEMAC, le Conseil communautaire de la concurrence a lancé mardi les travaux de sa 13e session. Nous sommes aujourd'hui à Douala pour ouvrir les travaux de la 13e session du Conseil communautaire de la concurrence. Le Conseil communautaire de la concurrence est une instance, un organe technique de la commission de la CEMAC qui a pour but, comme son nom l'indique, de traiter donc des questions de concurrence. C'est une instance qui se réunit régulièrement, nous en sommes aujourd'hui à la 13e session, qui se réunit 3 ou 4 fois l'année pour pouvoir examiner un certain nombre de projets de notification d'opérations de concentration qui sont transmis à la commission de la CEMAC. Conformément à ses missions telles que prévues par les textes, la mission du Conseil communautaire de la concurrence, organe technique de la commission de la CEMAC, a des défis qui s'accroissent proportionnellement au niveau de développement de nos États, notamment à travers les problématiques de la promotion de la culture de la concurrence dans tous les secteurs de l'économie des pays membres, de l'amélioration du climat des affaires et de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Les opérations de concentration concernent essentiellement les fusions ou acquisitions d'entreprises de taille souvent relativement importante. Cela concerne par exemple le rachat d'un groupe qui a une activité particulière. Ça peut être dans le domaine minier, ça peut être dans le domaine pétrolier, ça peut être dans le domaine bancaire. Donc le rachat donc d'un groupe par une autre entité. Les entreprises du Congo ne sont pas épargnées des entreprises de la communauté économique d'Afrique centrale, attendent qu'il y ait une application rigoureuse et loyale de la concurrence. Pendant 5 jours, les experts vont échanger. Les résultats des travaux seront soumis à la haute appréciation du président de la commission de la CEMAC. Mesdames et messieurs les experts de la commission